Bonjour, Elhadj Jamal Bangoura. Bonjour, Monsieur Diallo. Vous êtes le secrétaire général aux affaires religieuses. Mm-hmm. Merci de recevoir guinéematin.com chez vous. Merci, vous êtes chez vous. Comme on le sait, le ramadan tire vers sa fin. Nous sommes au niveau du dernier virage de ce mois saint de ramadan. Mm-hmm. Pour commencer, dites-nous, quel doit être le comportement d'un bon musulman pendant cette période? Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur Diallo, je vous remercie infiniment au nom de l'Islam pour être venu avec le premier jour des 10 derniers jours de Ramadan, les jours sacrés de Ramadan. Les jours spéciaux du Ramadan, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quand il avait reparti Ramadan en trois parties, du premier au 10, on dit le premier dixième de Ramadan, on dit Rahma, ça c'est une grâce de Dieu qui va toucher toutes les humanités. Maintenant, du 11 au 20, Dieu va pardonner et grâcer les fidèles musulmans pendant ce mois béni de Ramadan. Du 21 au 29 ou bien le 30, si le mois est complet, c'est notre espace d'opportunité. Là, on commence à tous les fidèles musulmans et invités de multiplier les invocations, redoubler les efforts pour obtenir la nuit du destin. La nuit du destin, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut 1000 mois, c'est-à-dire quand tu prends ça, c'est environ de 82 ans, 83 ans comme ça. Alors, c'est des jours importants dans la vie d'un musulman parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le plus perdant, celui qui suit, commence le ramadan et ramadan fini tant que le Dieu ne pas le grâcer. Alors c'est important pour nous, pour inviter les fidèles musulmans de Guinée de profiter de cette occasion, de cette opportunité qui était offerte par notre Seigneur. Parce que, en travers de ça, avec la pandémie que la Guinée subit comme ça et qui a fait l'objet, commence à de fermeture de lieux de culte, ça, en Guinée, c'était pour la première fois. Il faut que les Guinéennes aussi multiplient, commence à les invocations pour que Dieu nous épargne de cette pandémie et nous sauvegarde, comment ça, et sauvegarde l'humanité aussi de cette pandémie. Alors, quelles sont les invocations que le religieux doit faire pendant cette période, puisque les mosquées sont fermées, et est-ce que les prières nocturnes sont conseillées? Oui, tu sais que selon les ulémas, les prières nocturnes, c'est seulement cette année, on pratique ça comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Dans les premiers temps, le prophète, quand il avait entamé la prière nocturne, ce n'est pas son intention de regrouper les gens dans les mosquées. C'était pour profiter, adorer le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, le premier jour, quand il a fait, il y a des gens qui ont observé, ils ont venu vers le prophète. Le deuxième jour, le regroupement a commencé à augmenter. Le troisième jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Après, les compagnons ont demandé le prophète, pourquoi tu n'es pas sorti? Il dit, quand je sortais, ça sera obligatoire pour vous.
C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de sortir pour le troisième jour. C'est pour cela que les prières nocturnes, c'est des sunnah. Les plus importantes chez Dieu, c'est les cinq prières quotidiennes. Alors, on a fermé les mosquées à cause des pandémies. Alors, si toutefois, si on ouvre comment ça les mosquées, ça cause, ce sera à cause de comment ça les cinq prières. Mais comme on avait commencé à fermer devant comment ça les cinq prières, alors pour les autres prières, il n'est pas question de commencer à ouvrir les mosquées à l'occasion de n'importe quelle occasion. D'accord. Alors, de plus en plus, des voix montent pour réclamer l'ouverture des lieux de culte. C'était le cas à Bokeh hier et à Dubreka. Quel appel vous avez à lancer à l'endroit des populations guinéennes pour qu'elles sachent que la fermeture des mosquées, des lieux de culte, c'est à leur avantage en cette période? Merci beaucoup. Moi, à ma qualité de premier responsable des affaires religieuses, j'appelle tous les fidèles au bon comportement. Et j'exhorte les fidèles musulmans d'essayer de suivre les réglementations sanitaires. Parce que ça, là, voilà comment ça, les réglementations religieuses qui appellent à la survie des fidèles musulmans. C'est pour cela que nous disons ici que les gens qui veulent profiter à salir les noms des religieux, ça, là, ce n'est pas les actes des religieux. Non. Les religieux connaissent qu'est-ce qu'ils font. Et quand elle va faire ça, et comment faire? Nous, ce n'est pas tout de notre nature en tant que musulmans qui respectent les réglementations religieuses, qui suivent comment ça, les instructions de Dieu et son prophète, de se comporter comme ça. Parce que jamais, il faut voir, nous ne sommes pas comment ça, être musulmans plus que les Saoudiens. Il faut voir, il faut te renseigner. Ce n'est pas à moi seulement, mais à travers les médias, à travers les communications, vous pouvez se renseigner aujourd'hui. Pour la Mecque, sauf Al-Kaaba seulement, ça là avec les dispositifs incroyables. Alors pour les autres, comment ça, mosquée, c'est jusqu'à de l'Arabie Saoudite. Jusqu'à présent, au moment que je vous parle, c'est fermé. Pour le Maroc, c'est fermé. On ne prend pas exemple seulement que le cas du Sénégal. Les Sénégalais, ils ont fait, les résultats, vous avez vu ça. Nous, nous ne voulons pas ça. Nous voulons sauvegarder la vie des populations. Parce que les mosquées n'étaient pas fermées pour fermer seulement. Il y avait des menaces, il y avait des dangers. Jusqu'à présent, avec l'évolution de cette pandémie chez nous, il faut que les autorités examinent ça. Et voir est-ce que la Guinée, nous maintenant, on peut réclamer comment ça l'ouverture, comment ça des mosquées? Non. Avec la réalité de pandémie qui augmente tous les jours, c'est des nouveaux cas confirmés. Et ce n'est pas un, deux. Tu trouves que c'est des 70 comme ça, 80 comme ça. Alors ça, c'est effrayant. Pour un musulman, on ne peut pas, c'est-à-dire ouvrir les mosquées pour constituer là où on prend comment ça les maladies. C'est pour cela on ne peut pas comparer comment ça les mosquées aussi, l'ouverture des mosquées au marché, vu comment ça de l'état économique des Guinéens. Alors c'est pour cela, nous en tant que religieux, on appelle la conscience patriotique et religieuse de chaque fidèle de rester suivi. Et il y a des éléments ici. Nous suivons comment ça les recommandations des éléments. Si toutefois si on touche comment ça aux interdits, ce que Dieu a interdit, c'est les éléments là qui va sortir en première position. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de cas. C'est pour cela, une fois encore,
nous appelons comme ça nos frères guinéens de ne pas essayer de profiter en travers de la religion là. S'ils ont quelque chose, ils n'ont qu'à régler ça ailleurs, pas au sein comme ça de notre réglementation religieuse. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci.